Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon Warrior Training. Aujourd'hui, j'en suis au jour numéro 21. Et voilà, je voulais un peu continuer ce que dont je vous ai parlé la dernière fois, parce que je suis toujours à la recherche d'énergie. Je me rendais pas compte avant, mais je me rends vraiment compte que, eh bien, mon énergie, elle me suffit pour ma vie courante, pour faire mes consultations, pour vivre tous les jours, pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai suffisamment d'énergie. Mais là, depuis que j'ai commencé l'entraînement Warrior Training, depuis maintenant 3 semaines, je me rends compte que ça ne suffit vraiment pas. Alors oui, j'ai rajouté des compléments alimentaires, j'ai pas encore tout réuni, les compléments alimentaires que Bruce Lee conseille, ainsi que ceux que moi, je souhaiterais prendre. J'ai juste le Green Angel, qui est déjà très complet. Donc ça, c'est vrai, il y a les compléments. J'ai enlevé la plupart des aliments qui m'alourdissaient et qui me faisaient dépenser trop d'énergie pour la digestion et qui m'en apportaient pas suffisamment. Mais voilà, je me rends compte que pourtant je mange bien, je mange ce qu'il faut, des légumes, des protéines. Vraiment, j'ai une alimentation équilibrée, hyper saine. Et je me rends compte que c'est pas ça le problème. Je pense que le problème, et j'ai fait des tests pour savoir ça, c'est qu'en fait j'ai du mal à bien assimiler tout ce qu'il y a dans les aliments que je mange. J'ai donc décidé de tonifier ma rate en médecine chinoise. L'assimilation des nutriments est gouvernée par la rate, hein, qui permet la digestion, qui permet l'assimilation des nutriments et de les transformer en énergie vitale. Je le sais bien que j'ai une énergie de rate qui est déficiente depuis très longtemps. Je compense avec tout ce que je fais en médecine chinoise, je compense cette déficience, je dirais chronique. Mais là, vraiment, voilà, je me rends compte que ça suffit pas. Donc, j'ai commencé il y a quelques jours une cure de ginseng et de gelée royale sous forme d'ampoule, à raison de 2 par jour, une le matin à jeun et une le midi avant le déjeuner, avec un petit peu d'eau pour me servir de véhicule, hein, pour véhiculer le ginseng, la gelée royale dans mon organisme. Et là, déjà, je sens la différence. Je sens que ce que je mange, ça m'amène plus d'énergie et je sens vraiment que le ginseng et la gelée royale font effet. Voilà, donc je verrai quand je recevrai les autres compléments alimentaires, mais déjà de stimuler la rate pour que ma digestion, ma transformation, mon assimilation soit optimale, déjà ça change les choses. Et là, ce matin, voilà, j'ai été courir le long de la rivière, et par rapport à la semaine dernière où j'ai été courir autour du lac, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, j'ai vraiment vu la différence aujourd'hui. Plus d'énergie, plus d'endurance. J'ai juste fait une toute petite pause de 2 minutes quand je suis arrivé au bout avant de faire demi-tour. Mais sinon, voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise dans mes jambes. J'ai pratiquement plus mal dans les jambes. Encore un petit peu d'essoufflement et de serrement dans le thorax. Mais c'était beaucoup plus léger et j'ai pu finir sans être hyper essoufflé comme c'était le cas la semaine dernière. Donc voilà, j'avance dans mon entraînement et voilà, je vous tiens informé de ma progression. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour des nouvelles de mon Warrior Training.